Salut tout le monde, c'est Darkyuki et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de Let's Play Donkey Kong Country 1. Ouais, c'est ça, l'épisode 3 de Let's Play Donkey Kong Country 1 et on va continuer déjà où on en était au dernier épisode. Je tourne les épisodes à la chaîne après avoir laissé Kipaka. Donc vous, j'espère que ça va, moi ça va très très bien. Je suis vraiment très heureux de recommencer les vidéos, j'avais arrêté ça pendant un mois parce que... Bah parce que j'avais plus vraiment le temps, j'avais beaucoup de devoirs, c'était compliqué. Mais là, normal. Puis aussi la motivation, hein. Ça je voulais profiter de cet épisode pour vous en parler un tout petit peu. Moi je préfère sortir des épisodes moins souvent, mais le faire quand j'ai vraiment la motivation au maximum. Parce que pour moi, YouTuber qui sort des épisodes, qui s'oblige comme à sortir des épisodes, pour moi c'est... Ça va faire des vidéos de merde. Fait que j'essaie vraiment de tourner... Quand est-ce que la motivation est là pour avoir les épisodes de la meilleure qualité possible? Parce que ben, quand ça te tente pas de faire quelque chose et que tu le fais, c'est moins bien forcément que quand ça te tente. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est bon. Là, je gère bien quand même. Hein? Donc voilà. Je voulais vous l'expliquer. Est-ce que j'ai les lettres? Non. Du checkpoint. Donc c'est ça, je voulais vous l'expliquer quand même parce que ben, pour moi, c'est important. Je préfère en faire moins souvent, mais que la motivation, donc la qualité, y soit. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, vous me direz. Swag. Parfait. Non! Faut pas que je fasse la même erreur. Non! Putain! Fais chier! Oh non, pas game over. Ok, bon, excusez-moi. Poète! Ok, oui, je sais, je devrais pas faire ça, mais là... C'est vraiment à cause que... Ça me saoule, hein, c'est... J'ai pas envie de me casser le cul, hein. Donc, oh, tain, il y a d'abord ça, laisse tomber. Je veux passer à un autre niveau, moi. Je suis tanné! J'ai failli me tomber dans le trou. Ça aurait été assez collector. Tac. Donc, voilà. Donc, je voulais vous en parler de tout ça parce que c'est très important pour moi. Et il faut que la motivation y soit. Parce que, moi, honnêtement, on va parler du YouTube. De YouTube, tiens, aujourd'hui. On va parler de tout ça. Donc, moi... Bien sûr, je ne fais pas ça pour l'argent, parce que sinon il y aurait des publicités sur mes vidéos. Mais j'aimerais bien un jour pouvoir gagner ma vie de YouTube, parce que c'est vraiment, je trouve... J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler encore, c'est le meilleur métier du monde. Tu fais de quoi que les gens aiment, tu donnes le sourire aux gens. Moi, quand des fois je rentre de l'école, j'ai une journée pas super belle. Je rentre là, je vois que mes YouTubers préférés ont fait une vidéo, je me détends. On oublie nos problèmes devant les vidéos. Je trouve que c'est vraiment... À quelque part, ça a des bienfaits thérapeutiques, faire des vidéos. Parce que pour moi, ça me permet de socialiser puis de mourir comme une merde et de me ridiculiser. Non, mais plus sérieusement, ça me permet de... Tiens, on va refaire une save ici. Ça me permet de parler avec vous, de faire des vidéos, de faire qu'est-ce que j'aime, hein. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais c'est un rêve pour moi de vivre ma vie de YouTube. J'aimerais vraiment ça parce que c'est vraiment un très très beau métier. Ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. Il y en a qui diront ça sert à rien, c'est sûr. Oui, c'est sûr, tu pourras. C'est pas comme un vrai travail, c'est pas aussi stable qu'un vrai travail. Des fois, il peut arriver des affaires comme tu peux plus faire de vidéos, comme sur une ancienne chaîne que j'avais eue. Kipaka, c'était de la merde, mon ancienne chaîne. Mais ça, il faut pas trop le dire. Donc voilà, c'est... Ah, c'est bon, c'est ouf. J'ai peur en tabarnouche. Donc, je voulais vous en parler un petit peu parce que... Je vous conseille hein, de vous rendre... Pas de vous rendre, mais de commencer l'aventure YouTube. Bah, peut-être, hein, dans ces moments-ci, je vous le conseille pas trop, peut-être, parce que... Tout le monde le sait, à cause des droits de copyright, c'est assez délicat. Mais je vous le conseille quand même, c'est une belle aventure YouTube. Puis en tout cas, moi, c'est pas le problème de copyright qui va m'arrêter, honnêtement, de... Ok, très bien. C'est pas ça... Oh, ben tiens, la sortie. Voilà. C'est pas ça, moi, qui va m'arrêter. Moi, je fais ça pour le plaisir. Moi, je m'amuse. Puis je suis vraiment content. Station de feu rouge et vert. Attendez. On va faire notre save. Et excusez-moi pour ça. Là, je ne ferai plus juste le temps de retrouver une nouvelle sauvegarde.
Tu penses quoi? Go. Hein? Ok. Ah, oh, ok, d'accord. Ok. Ah, mais voilà. Ah, oh, ok. Niveau un peu spécial. Ce qu'il faut faire. Je déteste le bruit de ses ennemis. Ah! Oh, ok, d'accord, faut les faire s'endormir. En fait, c'est comme des espèces de guerriers cyborgs. Voilà. Oh, ben voilà, en fait. Faut le runner, hein. Regardez. Schlack, on le met rouge. Oh, ben c'est pas. Ah, c'est bon, je l'avais pas vu. C'est pas très très. Oh, shit! Mais là. Mais là. Oh, oui, le respawn! Génial! Génial, j'adore le respawn. Dans les jeux vidéo sur 20, le respawn d'ennemis, ça m'a toujours mon plaisir secret. Tiens, toi tu crèves. Ok, d'abord, faut juste les freeze, c'est pas très très compliqué. Puis il y a un renard, faut juste faire attention, petit clap clap, je pense que c'est ça leur nom. Faut attention, petit clap clap. Hey! Come on! What? Mais fuck you! Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. On va faire un épisode court, genre 15-20 minutes cette fois-ci. J'ai pas envie de faire un épisode trop long, tout simplement. Ça, c'est un épisode détente où on discute, hein. Poseille! Comme diraient des gens. Tiens, toi, tu vas te calmer, mon salopard. En fait, si on y va en courant tout le temps, le clap-clap peut pas nous toucher. Oh, si bon, là, j'ai fait me chier dans le trou, ça a été assez violent. Tiens, boum. Le clap-clap, maudite affaire de merde. Oui! Attends, ben là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Non! What? Attendez, ben ça, c'est du troll. Ça, c'est du troll en puissance, excusez-moi, mais. La lettre dans le trou. Ouais, voilà. La lettre dans le trou, ça, c'est du troll en puissance, je sais pas pourquoi. Comment on lâche? Oh, je sais, il faut sûrement faire le truc avec le principe de roulade. C'est peut-être une connerie de genre. Hop! Genre comme ça. Wow! Oh, fuck you! Hop, hop, go! Wow! Touche pas. Ridicule! C'était ridicule! Je déteste ce niveau, c'est de la merde. C'est action feu rouge et vert. J'aimerais bien qu'il y ait des cheat codes pour passer des niveaux trop difficiles. Genre le truc de la mine, ça m'aurait été bien utile. J'ai l'impression que Donkey court pas vite. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est vrai, Donkey court vraiment pas vite. Regardez, là, pourtant, je le mets à... Je le mets au speed max. Bah, normalement, hein, regardez, je fais une roulade, puis... Hop, j'ai vraiment peur, là, de mourir. Le clap-clap, toi, tu mourras pas. On laisse la lettre dans son trou, voilà. Oh, le checkpoint était juste ici, en plus. Oh non, on peut pas le buter. Oh, on peut juste les endormir, c'est pas grave. Encore, des clap-clap. Le pneu, on peut l'amener. Clap-clap, tu crèves. Charmant. Ok, je vais tuer le clap-clap. Wow! Chut, c'était donc bien dangereux, cette affaire-là. Ok, ça m'aurait arrangé honnêtement qu'il tombe dans le trou, le clap-clap. Wow. What the fuck? Mais comment tu veux aussi? Ça se fait pas ça, c'est impossible. Bon allez, on va faire une petite save. Faut pas être obligé de tout se retaper. L'autre game position, je suis désolé hein. Hey! C'est qui se passe? Non, j'ai loadé! Putain! L'handicapé mental! Merde! Fuck! Je déteste être con. Ça me fait vraiment chier. Clap clap, toi tu m'auras pas. En fait, on peut les retoucher en boucle. Sinon, si vous voulez jouer avec moi, je parle au québécois, hein, parce que... Bah, non, tout le monde peut jouer avec moi sur Xbox. Mais ce que je veux dire, c'est que à cause du décalage horaire, ça peut être plus compliqué. Donc, si vous êtes québécois, vous regardez mes vidéos et vous voulez faire une petite partie genre de GTA Online,
Oh, c'est bon. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Ça me fait plaisir de vous ajouter. Je donnerai mon gamer tag. Vous avez juste à me contacter en message privé. Ça me fait un plaisir de jouer avec vous. J'ai aussi la PS3, mais la PS3, j'ai pas beaucoup de jeux, puis je joue pas beaucoup. Ça va être vraiment pour... Je parle au possesseur de Xbox. Donc, si vous avez une Xbox, ça va me faire un plaisir. Bon, ben aujourd'hui, ça a été des petites annonces. Mais non, mais ça, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Non, non, c'est sûr que c'est là, c'est que c'est possible. Il y a eu des bêta-testeurs quand même dans Donkey Kong Country. Quoi est ça, le tonneau? On peut pas les buter, ça? Lol. Ok, il servait à ça. Les fameux niveaux avec les tonneaux qui twistent. Oups. Yeah! Charmant. C'est pas grave. Le clap clap, toi tu m'auras pas. Tu m'as déjà eu plusieurs fois là. Une banane pour avoir une vie. Schlack. On pousse. Il va en avoir un autre, je pense, si je dis pas de conneries. Non. Tiens, on le tue. Ah, tranquille. Excusez-moi, là, je me concentre. Boum. Une vie. Hop. Wow. Hé hé hé. Oh! Oh my god! Oh shit! C'est dangereux, un tabarnouche, je te place là. Ok, on l'a eu. Oui, une sauvegarde. Bon allez, on va sauvegarder la sauvegarde de Candy. Ouf. Bonjour, je suis Candy, c'est mon point de sauvegarde lorsque vous voulez. Allez. La moulin ma boule. On va essayer ce niveau, tiens. Pour le prochain game over, ben on va arrêter la vidéo ici. Les autres on peut pas écouter, je pense, avec Didi, on est trop lourd, on est trop léger. Voilà. Voilà. Voilà le moulin ma boule. Ok, ça j'ai failli crever. Pa. What the fuck? Je pense que. Il nous court après? Non? Ok. Aussi sur Dofus. Dofus, je joue à Dofus plus. Ben, avant je jouais. Oh shit. Avant je jouais beaucoup à. À Wakfu, maintenant je joue plus à Dofus. Si vous connaissez pas, bah désolé. Est-ce qu'on peut les buter? Oui, on peut les buter avec Donkey. Donc, si vous voulez jouer avec moi à Dofus, ça va me faire ultra plaisir parce que je joue à Dofus. Ou à Wakfu, hein, qu'on fait. Vous avez juste à me contacter, on décidera un des deux. Dofus, par contre, je fais que du colis. Du Colisium. Du Colisium, oui, non. Ça, c'est à cause des lacunes d'un YouTuber qui dit ça, j'ai pris l'habitude. Du Coliseum, c'est un tournoi où ce qu'on fait du PVP, du player versus player, 3 contre 3. Je fais beaucoup de colis, mais si vous avez. J'ai un Noza level 80. Je sais plus trop quoi. Non, pas vrai, je sais pas. Bref, je fais du colis. Si vous voulez. Si vous voulez jouer. Je faisais du colis, plus précisément. Parce que là, je ne joue plus beaucoup. Mais si vous voulez jouer, vous pouvez toujours me le dire. On aura un arrangement. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas joué. Ça fait un maudit bon gros moment que j'ai pas joué. Pour notre ami. Non. Est-ce qu'on peut les buter eux autres avec une dynamite peut-être. On va voir. Oh. Le pneu on va l'amener. Oh j'adore la musique. Wow. Non faut pas vraiment mettre le pneu en bas j'espère. De toute façon s'il fallait le mettre en bas c'est mort. Hey. Voilà. Donc c'est sûr pour finir l'histoire de Dofus et Wakfu, bah je pourrais toujours m'abonner si vous voulez jouer. Wow! C'est pas prévu ça. Wow. What the fuck?
Ok. Ça passe plutôt bien. Hey, mon tabarnouche, toi. Crève! Wow! Tabarnouche! Une chance que j'ai fait ça, hein? Mon écœurant de petit hamster à roulette, là. Non! Je me suis fait me ramper la gueule dessus. Bon, c'est pas grave. Épisode de 15 minutes et demie, c'est... Allez, ta gueule, cranky. Épisode de 15 minutes et demie. Pour se rendre... Isave... Va le funky, ça sert à... Attends, je vais aller voir juste pour le lol. Mon tonneau de turbo, vous déposez là où vous voulez. Ok, ouais, c'est pour switch le monde. Hein? Ok, ouais, qu'il y a juste du monde. Mine des macaques, on va revenir ici. Tu écoutes cette musique. Bon, ben sur ce magnifique transport, ben je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode 3 de Donkey Kong Country 1. Ce fut un plaisir pour moi de le tourner, alors j'espère que ce fut un plaisir pour vous de l'écouter. Donc merci d'avoir regardé et à plus tard!
Thank you.